Eh bien le bonjour, c'est Agito et bienvenue pour la suite aventure sur Chrono Trigger. Et nous sommes de retour eh bien à notre époque, à notre ère, et on est revenu aussi auprès de notre village. On était sur la map centrale, voilà, sur le bout d'île au centre. Et on est revenu ici après avoir combattu un démon qui voulait protéger les mystiques, parce qu'on est les ennemis des mystiques, hein, voilà ce qu'il disait. Peut-être qu'on va devoir retourner au château. J'en sais rien de ce qu'il faut faire vraiment. Donc on va peut-être aller voir là-haut. Parce que nous a dit... Oh, la musique qui change en plus. Ce que ça nous indique, et puis on verra par la suite, parce que peut-être... Faut retourner au port, il y a un bateau, des choses à voir. Bon, après les petits monstres comme ça, peu importe. Et ouais, vous étiez plusieurs à me dire qu'apparemment, la version Steam, ça a l'air de déconner pour l'affichage des prix. Donc, est-ce que c'est vraiment eux qui sont ratés? Ou est-ce qu'ils ont vraiment fait quelque chose? Tiens, étant donné que lui c'était un monstre et puis d'autres marchands, on montre pas les prix. Comme ça, on sait pas. Ou c'est vraiment un gros bug. Après, c'est appelé aussi à la qualité si on met en meilleur graphisme ou pas. La résolution, je sais pas. Aucune idée. Parce que si vraiment c'est des bugs de l'import sur Steam, c'est horrible. Je sais pas, ils ont dû tester le jeu normalement. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc bon. On fait avec et puis je vois si je peux acheter. Si je peux pas acheter, bah je peux pas acheter. Et ouais, le monstre, donc je pouvais rien acheter en termes d'équipement, mais je pense qu'il vendait de belles choses. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, on va retourner voir le roi. Par contre, c'est chiant qu'il faut passer à chaque fois par... Ah, Votre Altesse. C'était peut-être ça. C'est... peut-être pas ça, finalement. Ok. Bon, j'aurais essayé. J'aurais essayé, mais ce n'est point ça. Bon, on va retourner... Trop marrant. On va retourner au niveau du village, voir ce qu'on peut aller faire. Genre par exemple le bateau, est-ce que je peux le prendre? Le guichet du port. À Palpori. Bah... Vas-y, écoute, on va dire que oui. Je pouvais aller aussi au sud. Puisqu'il y avait un pont et puis... Une autre partie de l'île. Voilà, côté gauche. Ça emmène où? Encore une fois, hein, la musique. Hein. La musique... Même... Je me suis fait arnaquer, non? Attends. Salut! À nouveau un petit tour en bateau. Ouais, mais... Pas si j'ai payé pour rien. Carte. J'ai payé pour rien. Donc, on pouvait passer par le petit pont qui était à gauche. Bon, ça va, ça coûte que 10. C'est pas non plus grand-chose. Mais quand même. Café de la conque. On va voir ce que ça dit ici. Il y a aussi des monstres qui vivent paisiblement avec les humains. Prenez ce pianiste par exemple. Il y a 400 ans, une femme appelée Fiona a péri en essayant de transformer les terres arides situées au nord d'ici en forêt. C'est si triste. Ah oui, c'est sûr. J'ai du jambon épicé en réserve, mais... J'aurais peut-être vous vendre pour 9900. Ouais, c'est un peu cher, monsieur. C'est un peu cher. De toute façon, ça a une vraie utilité. Qu'est-ce que je vous joue? Un morceau triste ou un morceau enjoué? Oh, triste. Ok. Et on fait un morceau enjoué? C'est un morceau de combat. C'est le thème de combat. Résidence du maire. Bah tiens, on va aller voir le maire. Les enfants sont de plus en plus distants. C'est à vous fendre le cœur. Moi, je suis le maire de cette ville. C'est moi le plus riche. Tu fais 3 pirouettes en poussant Cocorico, je donnerais 10 en gold. Alors qu'en dis-tu? Ok. C'est quoi cet épisode? Papa aime son argent plus que moi. Est-ce que je pourrais avoir du pognon? Non, c'est fini. La personne que je déteste le plus au monde, mon père, bien sûr. Ah oui, carrément. Bah, papa. Monsieur, vous êtes le maire et vous êtes détesté, qu'est-ce qui se passe? Là, tout le monde dit que papa est un rapace, ce n'est pas vrai, hein? Oh, il m'a donné 10 en gold, donc bon... Moi je prends, hein. Je prends. Mais bon, c'est vrai, s'il est pas ouf en tant que papa... Aïe, aïe, aïe. Non, je veux pas de chambre. J'ai pas besoin de chambre. Ok. Ah, joli les oiseaux, hein. Jolis les oiseaux.
Ah, attendez. Est-ce que le pont, je peux y aller? Vu la foire, c'est un endroit parfait pour oublier vos ennuis et boire quelques verres. Bah, je retourne à la foire quand même. C'est rhumatisme. Oh, papy! Il est au monde entier! La petite fille, elle court. Hein. Oui, on va à la foire! Je compte ouvrir un kiosque à la foire, venez me rendre visite. Ouais, ok. À la foire? Faut qu'on aille à la foire peut-être? Peut-être reprendre le téléporteur. Regardons la carte. De toute façon, le bateau m'emmène forcément en bas et pas autre part. C'est le seul truc qui me reste, hein. C'est le truc qui me reste. Les gens de la ligne seront toujours heureux. Je m'amuse tant avec toi, Agito. Ah, c'est cool. La princesse est là avec moi. J'ai pas envie de prédire. Hein. Et une dans la tente expérimentale de Norstein Beckler. Le spectacle terrifiant vient bientôt commencer. Combien de points d'argent voulez-vous dépenser? 10. J'ai pas assez. Ça, c'est fait. Ouais, mais non, mais moi je vais. Je sais pas. Peut-être au téléporteur, hein, comme j'ai dit. Hein. Qu'est-ce que ça va faire? Hop. C'est à quel moment je peux retourner dans la zone où je peux choisir une aire? Ah bah c'est comme ça, ok. Au monde de Truss en lance 600. Bah non. Si vous avez besoin de mon aide, venez me voir, je vous guiderai à travers le temps. Bah j'ai besoin de ton aide. Mais il me dit rien. Choisir une zone hein, quelque part ici. Donc en moins 65 millions, le mont étrange. Ça c'est pour retourner là où je suis, donc la place de Lynn. Ça c'est au mont de Truss. En l'an 1000 à notre ère. Et enfin en l'an 2300 au dôme de Prométhée. Bon je pense qu'il faut aller en moins 65 millions. Allez, on y va. Ah. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Carte, pas de carte. Pas de carte ici. Petite musique bien sapate. Oh, c'est un coffre ça. Bac de berserk. Oh. Alors attendez, parce qu'il y avait d'autres trucs à voir de ce côté. Je peux aller aussi en haut. Ouais, c'est pour sauter dans le téléporteur. Dans le portail. Donc on va aller par là. J'ai vu des monstres ici. Oh, il est dragon de Komodo. Solo. Un cyclone enflammé. Et tu peux. Allez. Voilà. Donc là, ça va être quoi? Moins 65 millions. Ouah, ils ont beaucoup de vie. Ah oui. Une grosse préhistoire. Mais ça a l'air d'être ça, en tout cas, pour la suite de l'aventure. Il va falloir de nouveaux stuff. Parce que là, je les one-shot pas. Coup critique. Un joli sang. Ouais, même pas mort. Hein. Ça va moins rigoler. Excellent, ça. Une corne. Une corne. Où est-ce que c'est la corne? Tunique. Attendez, parce que regardez ici. Du coup, on voit quelque chose, mais on ne le voit pas. Donc, c'est vraiment un bug avec Portage Steam? Parce qu'on sait pas c'est quoi. Hein. Un objet clé? Ouais, on sait pas c'est quoi. C'est un peu bête, hein. Si vraiment c'est des soucis de Steam, c'est un peu triste. De toute façon, on va falloir qu'on continue à utiliser les sortilèges. Hein. Je pense que si on a pris ça, c'est parce que par la suite, ça va être trop fort.
Ouais, non, il résiste. Il résiste peut-être à la glace. Le mamo. Tout, 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 tout. Allez, piouf. Tire lui sur la tronche, 108. J'ai perdu beaucoup de points de vie, hein. Ça part vite. Un pétale maintenant, on a eu. On a eu un pétale. Compétence. Vas-y, tu vas nous soigner. En vrai, soigne tout le monde. Ok. Moi, je fais les combats. Hein. Ça traîne. Je l'ai fait. T'as un petit sort de foudre. Il faut quand même du 32 dégâts. Hein. Avec, on a acheté les derniers équipements qu'on pouvait. Aïe. Combo. Feu. Combo. Foudre. Vas-y, essaye. Thunder. Ah oui. Complètement. Défense lorsqu'elle est électrisée. Ah. On peut électriser et perdre la défense. Cool. Vas-y, moi je l'ai fait. Hein. Tous les combats traînent, je l'ai fait. Hein. Combo. Petite rafale cinglante là sur les deux. Antipode inflige des dégâts de zone. On va essayer. Pod et antipode. D'accord, c'est avec la glace. Stylé. Ah oui! Ah oui, très efficace. Un lance-flamme. Voilà, sur les deux, tiens. Solo. Et on va faire aura. Sur lui. Qui prend tout depuis tout à l'heure, hein, sur la tête. Tic. Par contre, plus on va avoir de sortilèges d'aptitude, plus ça va être compliqué lors des combats à être assez vif. Hein. Parce qu'il faut s'y retrouver, il faut descendre et tout. Hein. Je pense pas que le jeu ait beaucoup de compétences. Enfin, vu comme ça, je dirais pas qu'il y en ait trop. Encore un pétale. Tout va bien. Oh! Alors on est en bas à gauche. Il y a des choses à voir au nord. Et aussi au niveau de la forêt. Je sais pas si je peux y accéder. Il y a un passage? Ça a l'air d'être bloqué et bien centré. Ouais, là je peux pas passer. Peut-être par au-dessus. On va aller voir ça. En tout cas, bah, zone de forêt avec. Ouais, c'est très aride. Il y a un petit village. Ah, si, la jungle. Bon, je peux peut-être l'aller. Ou pas. Faut pas être pour tout de suite. Je sais pas si y a un truc à faire ici plus tard. Ouais. On va rejoindre ce village. Tente Dioka. Tente Dioka. Ok, c'est bien ça. Les hommes de la préhistoire. Oh, t'es pas bizarre. Pierre rouge, être très joli. Vous voulez voir pierre rouge? Chef, avoir pierre rouge. Trrr. Tente du chef, être au nord du village. Au nord. Vous, être ami des sauriens, moi, vous écraser. Vous voulez boire eau de courage? Eau de courage, rendre fort. Oui. Merci. Saurien, être féroce. Saurien, avoir écaille dure. Pour battre Saurien, besoin de beaucoup de force. Un dragon? Chose comme ça? Oh, le volcan, là. Hop. On va rentrer dans les tentes. Ah, la tente du chef. On va aller voir l'autre avant. Voilà. Vous êtes bizarre. Vous vouloir troquer. Si chef, pas être d'accord, pas pouvoir troquer. Bon, on vient à te voir après, alors. Peut-être que chef sera d'accord. Chef, avoir beaucoup chassé aussi, apparemment. Attends, je peux pas monter? Il est où, chef? Je peux pas monter. Pas de chef? Bon, chef est pas là. Hein. Où est-ce qu'il est, ton chef? Trouver pétale, croc, corne et plume sur le terrain de chasse.
Si plus tombé, monstre rare apparaît, monstre rare est très bonne prise. Ah bah il manque peut-être un autre objet sur les trois. Ok, pierre brillante. Non. Vous savoir, dinosaure, avoir peur de foudre. Ah. La foudre, ça marche bien. Ça marche très très bien. Plus fort être chef Yoka, homme, femme ou enfant, chef Yoka est toujours musclé. Vous, venir de montagne, beaucoup de choses étranges dans montagne, alors nous appeler montagne mont étrange. Tribu de la Ruba se cacher dans forêt du nord, se cacher partout, tribu de la Ruba fuir saurien, lâche. Nous combattre saurien, tribu de la Ruba, pas combattre saurien. Vous venir d'où? Pourquoi vous venir ici? Kino, pas aimez-vous. Tribu de la Ruba, pouvoir appeler Pteranodon, voler dans le ciel. Yoka, pouvoir appeler Pteranodon, pas voler dans le ciel. J'en suis désolé, madame. En tout cas, mais vous avez de beaux cheveux. Très très beaux cheveux. Hop. C'est au niveau de là-haut, hein. Le nid des Pteranodons. Oula. Salut toi. Combo, foudre, est-ce que ça compte lui aussi? Comme un dinosaure, pas du tout! Aouh! Le frappe Atlas qui m'a mis là! La drac au feu! Oula! Aouh! Ah, c'est un monstre! J'ai pas vu que c'était un monstre lui! Waouh! Ah! Ah! Ah, Cyclone Dora! Cyclone Dora tout de suite! Essaye de les endormir si tu peux. Ah, il y a trois monstres en plus. Il y avait un autre caillou. Essaye de les endormir s'il te plaît si tu peux. Ça marche pas du tout. Ah, ah, ça pique. Ça pique, ça pique. Je leur sonne direct. Hein. Ils mettent trop cher. Hein. Trop cher. Mais il est où leur chef? Il est pas, il était pas au... Je sais pas. Je l'ai pas vu. Hein. Je l'ai pas vu. Solo, lance-flamme, est-ce que ça marche bien ça? Le feu, c'est pas du tout efficace. Hein. Allez, 100 de dégâts encore dans la tronche, 112. Laisse pas jouer. Hein. Laisse pas du tout jouer. J'ai remis un cyclone d'or, hein. Je suis en train de trop cher. Beaucoup trop cher. Allez, soigne-nous encore. Pouh. Plus énervé, hein. Allez, tape. Ok. On va que taper normalement. Tant qu'il me jette pas un caillou dans la tronche, tout va bien. Tout va bien. On va mettre aura sur lui. Aura de l'aura, du coup, apporte bien son nom. Le coup critique 260. Voilà, vaincu, toi. Ah. Allez, tape-moi ça. On bourrine, on bourrine. Pas bon, on prend. Mais ça va aller. Tac. Allez, tape-moi tout ça. Ouh là 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 là. Critique. C'est vaincu. Et il reste plus qu'un. Ouais, ils sont énervés les monstres hein, ici. Hein. Ils sont très énervés. Hein. Je soigne après. Je sens que ça va passer. Je sens que ça va passer, ça va passer. Fâche. Compétence. Ouais, soigne-nous complètement. On cherche pas plus. Ok. Je sais pas du tout où je m'aventure. Mais vraiment pas. Foudre. Va vous calmer. On va essayer de la glace. On va essayer le lance-flamme. Tring. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Allez, prends ça.
Ouais, ils ont juste beaucoup de vie et beaucoup de force, quoi. En termes de défense, tranquillou. Aouh. Il m'éclate au sol, le bordel. Plume. Du coup, j'ai corne, pétale et plume, c'est ce qu'il fallait. Hop. Super éther. Je sais pas s'il faut que je continue à m'aventurer par là-haut. Hein. Vraiment pas. Hein. Il y a beaucoup de monstres, moi je prends beaucoup trop cher. Je vais peut-être revoir au village, de toute façon j'ai raté vraiment le chef. Parce qu'après ça grimpe là. C'est pour un autre coffre et c'est tout? C'est que pour un autre coffre? Ouais bon on va rester là, je vais le faire. Je le sens bien, ça va passer. Hop. Je vais pas avoir le choix de faire le combat de toute façon, hein. Je vais pas pouvoir les esquiver quoique. Ah ça passe. Super potion. Je peux pas aller autre part. On va sur le combat. Allez hop. Donc on y est. Hein. Tac. Tapez tous le même. Moi il y en a, mieux ce sera. Donc là, ouais, ils sont sous forme de cailloux et après ils s'ouvrent. Et c'est là qu'ils commencent à nous frapper. Là en fait, c'est des tours gratuits. Ok, c'est bien vu. C'est bien vu. Des schistes. Parfait. Parfait, parfait. L'attaque simple qui a tué. Piou. Et on le défonce. Yes. Ça va. Je l'ai dit, hein, ça s'est bien passé. 9 PC. Par contre, les PC, on en gagne beaucoup. Hein. Ah, je peux continuer par là-haut. Attendez, hop. Là, ça grimpe encore. Ok. Et après, au niveau du caillou. Oh! Ouf. S'il te plaît. Réussis à les endormir. Réussis à les endormir. En fait, faudrait défoncer le caillou. Ça marche pas. Hein. Ça marche pas du tout. Et puis il a réveillé son pote maintenant. Je vais prendre trop cher. Cyclone Dora. Vite, 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 vite. Ok. Je suis, hein. Je suis, je suis, je suis. Oh, faut tuer lui là. J'aimerais de jeter les caillasses sur ma tronche. Je vais leur mettre Cyclone Dora. Hop, tout de suite. On se soigne, on se soigne, on tient, on tient, on tient, on tient. Ok. Ouais, ça, c'est vraiment plus énervé. Ok. Lui, toujours lui. Plus de cailloux dans la tronche. Comme ça. C'est bon, il est battu. On va taper. On va mettre juste un cyclone enflammé. Ta 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 ta. Voilà. 56. Aura. Ouais, j'aurai pas le temps de soigner, il va mourir. Ouais, il est mort. Il est mort. Flamme d'utiliser un objet. Ça va, ça va, ça va. On se rassure comme on peut. Hein. Reste un point de vie. Wouhou. Allez, bute-le. Butez-le. Viens de moi. Accro. Hop, hop, hop. Bien loin. Hein. Un plastron osseux.
Ah ouais, oui, en effet. Attendez, pour que ça donne autant de défense. Vraiment bizarre. Ouch! Combo, glace, solo, feu. Je vais voir un peu ce qu'il y a plus haut et après je vais repartir. On va repartir d'ici. Hein. Si jamais rien de plus. Allez, brûle! Ok. Tac, 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 tac! À part la sale piaf! Oui! 258 XP, plume, niveau qui augmente, Lucas qui augmente aussi. Oula, ça m'a l'air beau ici. Alors, il y a quelque chose qui brille au fond. Mais pareil, bah, je peux rien faire ici. Je peux strictement rien faire. Ok. Bon, je vais retourner au village. Là, c'est pour ça Dragon Quest 6. Voilà le début. On est bien d'accord, hein. Il n'y a aucun chef. Là, je ne peux pas monter. Est-ce que... Il faut juste continuer, mais comme on le voit, les monstres sont assez énervés. Hein. Ils font vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Ça m'a l'air tendu. Ça m'a l'air vraiment tendu. Et puis, ouais, on trouve pas leur chef et ils me disent si le chef pas d'accord, bah, va troquer. Alors, peut-être il faut continuer par là-haut. Et puis, il y a un chef à aider. Et après, il sera content, il sera ok. On pourra faire des échanges et tout. Mais pour le moment, je ne vois rien de plus à faire. De toute façon, vous me direz dans les commentaires hein, pour ceux qui savent. Bien sûr, on évite toujours tout spoil, tout gros spoil. Juste quelques solutions, astuces pour m'aider pour la suite. Mais ouais, je ne vois rien de plus à faire. On va continuer là-haut. Ok. Bah écoutez, de toute façon, on va s'arrêter ici. Voilà, donc au village des hommes de Cro-Magnon et des femmes de Cro-Mignon. Moi, je vous fais des bisous et puis à la prochaine pour la suite de Chrono Trigger. Allez, tchuss, c'est stylé quand même le volcan comme ça. J'aime beaucoup.